Bonjour, bonjour, bienvenue sur votre chaîne YouTube Nautilus Verne. On se retrouve pour de nouvelles aventures et cette fois-ci on va vers une destination inconnue. Mais avant de commencer la vidéo, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche mention toute afin de recevoir une notification à chaque fois que je poste une vidéo. À liker la vidéo si jamais la vidéo vous plaît et à partager la vidéo avec vos amis et votre famille. Aujourd'hui, nous allons faire un vlog un peu particulier, il est 9h. Mine de rien, il est 9h. Donc mes amis, cette fois je vais vous emmener visiter le parc Mol de Sétif. Puisque c'est un endroit dont on entend souvent parler, on l'a vu à la télé, plein de personnes en parlent sur les réseaux sociaux comme quoi ce serait the place to be, c'est l'endroit où il faut aller pour faire son shopping. Il y a même des agences de voyage qui organisent des excursions, une Sogaras, un Naba ou des villes où il n'y a pas de centres commerciaux. Ils organisent des excursions pour les personnes qui ne seraient pas véhiculées, qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Sétif, afin que ces gens-là puissent faire leur shopping. Donc cette fois-ci, dans cette vidéo, je vais vous dire si ça vaut la peine ou non d'aller jusqu'à Sétif pour faire son shopping. Parce que, bon, il faut être honnête, à Naba, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire son shopping. Les vêtements coûtent excessivement cher et c'est des trucs qui peuvent être portés un mois ou deux. On trouve difficilement des articles de qualité et ça coûte cher. Donc voilà, et les villes comme Constantine et Sétif sont connues et réputées pour avoir plus de choix et pour des prix un peu plus abordables. Et en même temps, j'ai fait un petit tour côté resto et tout, et d'ailleurs j'ai mal fait mes calculs parce que j'avais quelques heures devant moi et je voulais tout faire durant ces quelques heures. Ce qui était faux, j'aurais dû me décider, soit c'était la partie shopping, soit la partie restaurant. Mais moi, comme j'ai voulu tout faire, après j'ai été déçue et j'ai regretté et j'aurais dû me concentrer sur des restaurants plutôt que sur des boutiques. Voilà, voilà. D'abord, arrêter un petit moment au niveau de l'aire de repos de Milève et j'étais en train de râler parce que je trouvais que les prix étaient scandaleusement chers. Ça revient beaucoup moins cher de manger à Casamia ou bien à comment ça s'appelle. En tout cas, c'est plus intéressant de manger à Casamia ou à Irelessen à Constantine plutôt que s'arrêter à l'aire de repos de Milève. Hein. Et encore, pour moi, une aire de repos, c'est du dépannage et du premier prix. Mais tout ce qui est annoncé et affiché comme étant du premier prix coûte cher. Un sandwich entrée de gamme coûte 450 dinars. Un plat entrée de gamme coûte 650 dinars. Je suis désolée, en plus de ça, les plats, c'est des plats qui sont préparés en avance et qui sont simplement réchauffés. Donc, j'étais en train de râler, voilà, j'étais pas très convaincue. Et je crois que ça fait aussi partie du rôle de ma chaîne de prévenir aussi les gens. Bon, si quelqu'un veut payer plein pot au niveau d'une heure de repos, c'est son problème, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Mais il y a des personnes qui ont des budgets relativement limités. Et franchement, si quelqu'un va prendre la route ou là et qu'il passe par l'aire de repos pour faire le plein d'essence ou de gasoil, eh bien, autant préparer un petit truc à la maison. Et s'arrêter au niveau de l'aire de repos, juste vous acheter des boissons, là, ou un temps une petite aire de repos, des petits bancs avec des jeux pour les enfants pour s'asseoir. Et vous mangez ce que vous avez rapporté avec vous de la maison, vous mettez le tout dans une glacière parce qu'il fait chaud. Et c'est tout. Déjà, il n'y a pas de pizza, un temps rêve choix ou encore choix, c'est pas tout le temps disponible. Ou sinon c'est des plats tout préparés, shawarma kif kif, il y a un petit peu de poulet, un petit peu de frites, et c'est tout à dire, shawarma tcham ou meshi bnina. J'avais même pas envie de goûter, c'était pas bien présenté. Par contre, c'est propre. L'établissement de restauration est propre, et les personnes qui y travaillent sont très serviables et très gentilles, mais ça ne donne pas envie, c'est pas attirant, et les prix sont juste incroyables pour une aire de repos. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler de Parc Mol. Donc, c'est un grand bâtiment avec un hôtel très luxueux, des restaurants au dernier étage, un centre d'affaires, un centre commercial, un parc d'attractions à l'intérieur du centre commercial, des fast-food, des petits restaurants entrée de gamme comme ça. Ou ne vous inquiétez pas si vous êtes véhiculé, il y a un parking, le parking est payant.
Et je crois, si ma mémoire est bonne, ça coûte 100 dinars de l'heure. Mais plus vous restez, moins vous payez. Par exemple, si vous restez une journée, soit 24 heures, vous n'allez pas payer 2400 dinars. On vous fait un prix de gros, si vous voulez. Et il y a plein d'ascenseurs. On s'est perdu dans des ascenseurs. Il faut prendre un ascenseur pour passer du parking jusqu'au centre commercial, puis du centre commercial jusqu'au centre d'affaires, puis du centre d'affaires jusqu'à l'hôtel, puis de l'hôtel jusqu'au restaurant. L'essentiel, c'est plein d'ascenseurs et on se perd facilement lorsqu'on ne connaît pas l'endroit. Et on perd aussi du temps, mais bon, c'est entretenu, c'est propre, il n'y a rien à dire. Côté hygiène, côté accueil. J'ai rien à dire. Là où j'ai fait mon erreur de calcul, c'est que j'aurais dû rester au Panoramique ou au Bradia et tester pleinement un des deux des établissements et rentrer chez moi parce que j'avais pas beaucoup de temps. Mais moi, je voulais tout tester parce que je suis trop maligne. Donc, je voulais tout faire. Donc, on a vite fait pris un jeu en haut. C'est les images que vous êtes en train de voir actuellement ou que vous venez de voir. La vue y est splendide. Bon, j'ai pas pu vous filmer la décoration du resto parce qu'il y avait des personnes. Donc, c'est toujours délicat de filmer un restaurant lorsqu'il y a des personnes. Mais la vue y est juste splendide. Et j'ai eu la chance de discuter avec le chef cuisinier. J'ai remarqué qu'il choisissait avec soin les matières premières avec lesquelles il travaille. Ce qui est un bon point. Peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être qu'un jour je retournerai là-bas pour tester ces deux établissements, mais le centre commercial, j'ai eu ma dose. Après avoir grosso modo visité, si on peut dire des choses comme ça, les restaurants, on est redescendu au centre commercial et je voulais voir les boutiques. Pourquoi je voulais vous parler des boutiques? Parce que je sais qu'il y a des agences de voyage qui organisent des excursions vers Sétif pour venir à Parquemol pour que les gens puissent faire leur shopping. Parce qu'il faut dire que dans l'Est, on n'a pas beaucoup de centres commerciaux. Le plus proche, c'est Liège Mall. Et c'est tout. Il y a à Constantine. Et c'est tout. Après, il faut aller à Parquemol Sétif ou à Daouchkène. Il n'y a pas d'endroit où on peut faire nos courses. Surtout pour les villes comme Annaba et Skikda, c'est assez compliqué. Il y a peu de. Il y a des boutiques. C'est pas qu'il n'y a pas de boutiques. Mais en général, c'est cher. Et les produits ne sont pas très qualitatifs. Mais j'étais déçue, hein. Si quelqu'un habite à Annaba ou à Skikda et qui se déplace pour aller au Park Mall, je te conseille de faire tes courses là où tu es. Tu vas avoir plus de choix, en tout cas en ville. Comme nous étions dans un centre commercial, donc je m'attendais à trouver des enseignes comme Zara, H&M, Bershka et autres. Finalement, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait juste une boutique LC Waikiki, Pimki, Jennifer et Kiabi. Tout maligne, je fais aller. J'étais déçue, c'était pas bien présenté, les vêtements n'étaient pas repassés, il y avait trop d'articles sur les portants, l'affichage des prix était aléatoire, tu vois un tas de vêtements avec écrit à partir de 1550 dinars, tu touches un article, il s'avère qu'il est à 4500 ou 5000 dinars, je suis désolée, c'était pas organisé, nous étions au mois de juin, ils nous ont présenté des trucs du mois de janvier. J'ai pas apprécié, ça ressemblait à une espèce de grosse friperie. Je m'excuse pour l'expression, mais c'est ça. Ça, c'est côté prêt-à-porter, enfin. Et côté cosmétique, hein, puisque vous y allez pour ça aussi, il y avait une boutique Yves Rocher et une boutique Must. Et pareil, il n'y avait pas beaucoup de choix. Les prix, ils étaient au plafond. Au niveau de la boutique Must, il y avait quelques parfums, mais bon, moi, j'ai pas retrouvé mes parfums préférés, donc voilà. Et côté make-up, il y avait un présentoir Guerlain qui datait de l'époque des dinosaures, et c'est tout. Alors que, bon, il devrait y avoir un minimum de diversité. À supposer qu'ils vendent des produits de luxe. Où il n'y avait pas de produits plutôt entrée de gamme, comme les petites marques type L'Oréal, Maybelline, Bourjois. Donc il n'y avait rien de tout ça. Quand tu viens, tu casses ta tirelire. Voilà. Tu peux pas faire d'économie ici. En plus de ça, il n'y avait pas des choses spécialement extraordinaires. Ça, c'est pour la partie shopping qui m'a déçue. Par contre, c'est très beau, c'est propre. Donc, ça m'a plu. C'est bien organisé. Les allées sont spacieuses. Il y a des escalators, des escaliers, des ascenseurs. Il y en a pour tous les goûts, hein, je peux vous dire.
Il y a des aspects positifs. C'est un endroit dans lequel on prend plaisir à faire son shopping. Encore faut-il trouver des choses à acheter à prix raisonnable. Bon, je suis pas en train de critiquer les prix, mais je peux pas recommander un endroit où c'est cher, entre parenthèses, pour rien. Je veux bien que ce soit cher, mais il faut qu'il y ait en retour une certaine qualité, un certain service et tout. Le service est là, mais la qualité, faut la chercher. Après, bon, comme je mourais de faim, je voulais tester un des restaurants haut de gamme, pardon, pas un restaurant haut de gamme, un des fast-food qu'il y avait là-bas. Donc, je voulais manger une pizza. Et bon, heureusement que j'ai regardé à gauche à droite pour voir à peu près ce qu'il y avait comme produit. Et j'ai été déçue des pizzas qui étaient vendues là-bas. Puis je me suis tournée vers une valeur sûre, des tacos. Je me suis dit, tiens, je vais manger un tacos au poulet. Ce qui était une bêtise aussi, puisque je n'ai pas aimé le tacos. Il y avait un petit peu de poulet avec un petit peu de frites. Mais qu'est-ce que je bénis? Voilà, le ketchup. Par contre, le panini au fromage était meilleur. Donc voilà. Après, il y avait les glaces, puisque je les ai vues à la télé aussi. Les glaces, leurs fameuses glaces qui sont réputées, je sais pas quoi. Je voulais prendre une glace au Raffaello. C'était une glace à la noix de coco. Il n'y avait pas le côté Raffaello. Le goût de Raffaello, je l'ai pas senti. Et d'habitude, dans ce genre de crème glacée, si vous prenez une glace au Kinder Bueno ou bien une glace au Ferrero ou autre, vous trouvez des morceaux du produit en question. À des coups, alors, il n'y avait rien de tout ça. Et j'étais déçue des glaces. J'ai trouvé ça un peu cher. Vaut mieux aller à l'ours polaire. Je vous réserve une vidéo à l'ours polaire. Je vais vous emmener à l'ours polaire bientôt. Si vous êtes gentil et si vous likez la vidéo, dès comme l'ours polaire, vous n'allez pas être déçu. Et les prix sont beaucoup plus raisonnables là-bas. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Après, j'ai visité le petit parc d'attractions qu'il y a à l'intérieur du centre commercial. Eh bien, si vous venez avec vos enfants, prévoyez un minimum de 1000 dinars par enfant, puisque les jeux coûtent 150 dinars et la patinoire, puisqu'ils ont une petite patinoire, coûte 600 dinars pour 20 minutes. Donc voilà, j'ai essayé de vous ramener les prix afin que vous puissiez faire votre budget si jamais vous décidez d'aller là-bas. Conclusion, mes chers amis, si vous venez pour faire votre shopping, d'après ce que j'ai vu, je suis pas certaine que ce soit une bonne idée. Après, je sais qu'il y a des périodes où il n'y a pas d'arrivage, où il n'y a pas de marchandises, donc peut-être que je suis allée visiter le mall un mauvais jour. Voilà, pas de chance. Un animal dit je l'ai pas visité au bon moment. Après, il y a deux établissements qui ont attiré mon attention, c'est le Panoramique et le Brazia. Et je suis certaine qu'un dîner là-bas, ça doit être quelque chose, surtout avec la vue, la déco de l'établissement. Ça vaut quand même le déplacement. À tester. Il faut que je teste pour vous en dire plus. Si vous voulez que je teste, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire et à liker la vidéo et à la partager. Comme ceci, je vois que ça vous intéresse vraiment. Ben, je me sacrifierai. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Après, pour les personnes qui ont des enfants, c'est toujours intéressant parce qu'il y a des manèges et ça coûte pas. Ça reste abordable. On va dire que ça reste abordable une fois par an ou une fois tous les 6 mois. On peut mettre de côté pour aller faire un petit tour de manège. Là, je sais que c'est difficile en ce moment pour beaucoup de personnes. Donc, c'est pour ça que je mets des guillemets à chacun de mes propos. Et vous avez à côté des petits établissements qui vous font des tacos, des pizzas et des petits sandwichs et tout, ça reste raisonnable, c'est à la portée, on va dire. Il n'y a rien de scandaleusement cher. J'étais juste scandalisée par l'air de repos, c'est tout. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.